C'était gracieux. Marie-Claude Pietragala, bonsoir. Atténuez la lumière. Elle ne met pas sans profil mon teint de porcelaine. Bon, ben, on va s'occuper de cela dès lors, très cher. Déplacez cette caméra de 27 degrés sur la droite afin de magnifier plus encore mon profil de déesse grecque. Bon, ben, on va s'en charger, alors. Est-ce que cet homme va me regarder durant toute l'interview? Ah, Thierry Luther, ça, oui, il est là pour ça, oui. Qu'il me tourne le dos. Dans ses yeux, je lis la mort. Oh, la mort. Bon. Marie-Claude Pietragala, vous êtes ici pour évoquer Danse avec les stars. Est-ce vous qui allez me poser toutes les questions? Oui, ça vous pose un problème. Non, ça me reposera. Je ne devrais pas trop réfléchir. Poursuivez. Quel est votre regard d'artiste sur cette nouvelle saison de l'émission? Je trouve que tous vos comédiens sont pitoyables. Vos chroniqueurs mal habillés, et vous avez, ainsi que votre âne qui rit, le charisme d'un bulot. Non, mais... Je sauverai juste de ce naufrage cette grande comédienne liégeoise qui peut tout jouer. Elle est extraordinaire. Non, mais je parlais pas de notre émission à nous, je parlais de Danse avec les stars. Je sais pas, je ne la regarde plus. Elle a perdu son cœur, elle a perdu son âme, elle a perdu son mythe. En résumé, elle m'a perdu, moi. Vous avez été remplacé par Scheim. Oh, ces macros de producteurs m'ont remplacé par une catin. Marie-Claude, fais le vide. Régénérescence, osmose corporelle. Scheim, oui. Je repense à ces téléspectateurs qui ont pu, grâce à moi, goûter des lèvres du caviar. Et à présent, ils doivent se taper un Bicky Burger. Enfin, se taper, je me comprends. Oui, je comprends bien. Oui. Vous savez, Scheim est très populaire. Oh mais... Ne prononcez plus jamais ce mot. Quoi, Scheim? Populaire. Ah, pardon. Je ne veux pas être populaire. Mais beaucoup de gens vous aiment. Ah, mais c'est légitime. Le luxe, ça attire, ça fait rêver. J'ai fréquenté les petits rats de l'opéra pendant qu'elle fréquentait les petites racailles de l'avenue de l'apéro. Et bien sûr, je respecte les artistes et je n'ai rien contre cette imposture ridicule qu'est Scheim. Mais que pensez-vous du casting de cette saison? Je ne sais pas, je ne le regarde plus, puisque toute cette émission est ridicule depuis qu'elle m'a perdue. Mais vous savez, il y a des grands noms, hein, cette année. Il y a Sami El Guedari, Ladji Doucouré, Johan Riou, Aziz Diabaté. Écoutez, j'ai bien compris que vous étiez un humoriste, monsieur De Varzé. Oui. J'aimerais que vous me disiez vraiment qui est au casting cette saison. Mais ce sont les vrais noms. C'est effarant. Ben... J'ai dédié toute ma vie à la danse, ainsi va la vie. Il y a des corps tels que le mien qui inspirent l'art, et il y a des corps qui n'inspirent que le dégoût. Je ne savais pas que James Dino pouvait se réincarner en femme, hein, mais personnellement, mais bon. Alors, en toute humilité, car je suis très humble... Oui, ah ben oui. Si je n'avais pas fait de la danse, c'eût été un affront fait à la grâce de l'esprit humain. Ah bon? Les arabesques de mon corps embrassent le temps et le font sien. Percussion! Fluidité! Percussion! Fluidité! Il faut que je réintègre cette émission. Elle périclite. Et même le soleil pâlit de mon absence. Oui, certains jurés étaient à votre hauteur. Oh, ne mêlons pas les tutus et les Marcel, voulez-vous? Jean-Marc Généreux. C'est la poutine boudinée qui ne cesse d'éructer, j'achète. Consternant scénographique. Fais-le vide. Il n'y a plus de danse, il n'y a plus de stars. Cette émission devrait se nommer « Avec les ». Seul mon retour fera rejaillir la lumière, car même la pornographie a envahi le plateau. Ah oui, j'avais omis Clara Morgan comme candidate. La pornographie, le stupre, j'ai failli choir.
Au moins, je me serais mise à votre niveau. Bon, vous savez, chaque candidat a droit au respect. Ah, mais je respecte tous les candidats. Et je suis prête à écouter chaque candidat qui se présentera et qui voudra participer à l'émission. Ah, bah alors justement, nous avons une star, une vraie star, qui rêverait d'intégrer l'émission. Seriez-vous prête à le caster? Mais bien sûr, pour qui me prenez-vous? C'est une star. Ah, bah c'est énorme, et il veut intégrer l'émission. Ah, son corps a-t-il des mouvements propices à la danse? Chaloupé? Est-il apte au frôlement d'autres corps? Ah oui. Ah, je suis impatiente. Ailez-le! Mesdames et messieurs, Rocco Siffredi. Oh. Rocco. Rocco, écoutez, c'est toujours surprenant. Rocco, s'il vous plaît, Rocco, voilà. Rocco, nous sommes ici, voilà. Rocco. Ôtez cette protubérance de ma vue. Il va m'éborgner. D'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être dans vous ce soir. Dans vous tous. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un problème? Tu as un problème? C'est votre arrivée. Elle a l'air un peu tendue depuis votre arrivée. Hein. C'est bizarre, parce que d'habitude, c'est moi. Quand je vais vers une femme... C'est moi qui suis tendu. Oui, bon, voilà. Rocco, asseyez-vous, là, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Excusez-moi, c'est difficile de s'asseoir. Non, asseyez-vous quand même. Tu comprends? Oui, moi je comprends. D'autres ne comprennent pas, mais moi je comprends. Voilà. Je mets la jambe comme ça. Mais ça va, faites ce que vous voulez. Je vais vous dire quelque chose, j'aime beaucoup la Belgique, j'adore la Belgique, j'adore les chanteurs belgo-italiens, je connais beaucoup, Franck Michael. Franck Michael, formidable chanteur italien qui a un tube. Il a un tube, enfin bon, pas comme moi, mais il a un tube. son fameux tube, toutes les femmes sont bonnes. Toutes les femmes sont belles. Écoutez, ce n'est pas ça du tout, Rocco. Oui, Marie-Claude. J'ai envie de danser la samba avec toi. Mais plus encore, Marie-Claude, j'ai envie de te voir samba. Mais il va se calmer, le DSK des Abruzzes. Oui, qu'on m'apporte un seau d'eau glacée et du bromure. Ok, d'accord. Tu veux me donner une leçon, hein, Marie-Claude? Je ne vous donnerai aucune leçon. Si tu veux me donner une leçon, parce, parce que j'ai été un vilain garçon. T'es gentil. Je ne suis pas gentil. Mais vous n'y connaissez rien à la danse, monsieur Rocco. Savez-vous seulement ce qu'est le mambo? Évidemment, je sais ce que le mambo. Tu veux le voir, mambo sapin? Tu veux le voir ou pas? Non, je veux pas voir votre mambo. Non, attention, parce que moi, mambo sapin, quand on s'approche, parfois, il pique. Mais ça, c'est l'épine, hein, qu'est-ce que tu veux? L'épine, ça pique. Ciao, Bella, ciao. La danse, c'est de la rigueur, de la sueur. Je suis certaine que vous n'avez jamais fait de la barre. Ah, comment ça, j'ai jamais fait la barre? Moi, j'ai fait la barre, tu veux la voir, ma barre? Ni votre mambo, ni votre barre. La barre, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le métier. Ah oui, mais chez nous aussi, la barre, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le métier. Mais une fois que tu l'as, tu es dans le métier, voilà. Vous ne pourriez même pas envisager un simple entrechat. Ah, quand même, entrechat.
hacer una plaisanterie ou quoi? Hey, moi, je ne peux pas envisager. Rocco, il ne peut pas envisager un entrechat. Toute ma vie, j'ai fait des entrechats. Toute ma vie, oh! J'entrechat, je sors chat, j'entrechat, je sors chat. Écoutez, écoutez, Rocco, non, écoutez, vraiment, arrêtez, non, 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 non. Excusez-moi, non, excusez-moi, Rocco, là, on va pas en sortir, là, donc... Ah non, ça c'est sûr, je te confirme. Non, non, attendez, attendez, attendez. Non, Rocco, il est rentré, jamais on en sort. Écoutez, hey, oh, écoutez, écoutez, Rocco, calmez-vous. Bon, Marie-Claude, vous signifie que vous n'avez pas assez d'expérience dans le métier, en fait, pour... Moi, j'ai pas assez d'expérience, oui, attends, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait le théâtre, le cinéma, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Tout, tout, tout. J'ai fait le lac d'Épine, j'ai fait Masse-Noisette. Tu veux toucher la bosse de Figaro? Non, 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 il veut pas. Non, non, elle ne veut pas. Non, non, ni votre bosse, ni votre rien du tout, je ne veux rien toucher. Non, parce que vous comprenez, la danse est sérieux, il faut suer des litres. Oui, oui, il faut suer des litres. Mais oui. Oui, il faut suer des litres. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne sais pas danser. Non, mais ça, non, mais je suis d'accord que vous mettez le paquet. Non, enfin, je veux dire, c'est pas ça. Oui, oui, mais... oui. C'est vrai que j'ai mis le paquet en arrivant. Qu'est-ce que tu veux? Il doit y avoir une méprise quant à la danse classique. On parle d'art. Mais moi aussi, je parle d'art. Je parle de mon art. Non, 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 allez, Rocco, arrêtez. Oh, Livia, aspetta, aspetta. Les gens, ils croient que le cinéma, c'est facile, le cinéma érotique. Non, c'est aussi une question de chorégraphie. Ah bon? Hein? Si, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Oui, ça va, oui, d'accord, ça va. Mais je ne vous parle pas de cela. Moi, je cherche des candidats qui n'ont pas peur de se mettre à nu. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Alors, avec moi. Spirituellement, hein, vous n'avez jamais intégré un corps de ballet. Non. Mais d'une certaine manière, je peux te dire que j'ai déjà intégré mon ballet dans plusieurs corps. Rocco, arrête. Non, écoutez. Une métaphore, hein. C'est très très fort. Non, mais concentrez-vous un peu sur la danse, les mouvements. Oui. Oui, exactement. Même un léger pas chassé. Levez-vous. Je me lève. Levez-vous. Si. Prenez votre pied. Non, enfin, non, 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 c'est pas, non, c'est pas, non, non. Votre jambe, je veux dire votre jambe. Laquelle des trois? Non, mais... La droite, mettez-la sur la table. Ok. Voilà. Bon. Je vais battre le rythme du sautillement. Vous me donnez la mesure? 33 centimètres. Ok. La mesure, 1, 2, 3. Oh, la mesure, 1, 2, 3. Ok, ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, bah jusqu'à 69. Mais si tu veux, je peux voir les choses en plus grand, ma chérie. Avec plus de monde? Ah oui, je peux multiplier par 11, par 12, par tout ce que tu veux. Ce qu'on va faire, je te propose plutôt de te lever, je vais danser avec toi. Je vais te montrer que je peux aussi danser. Hein? Voilà, sérieusement, voilà, tu t'approches de moi. Voilà. Et quel est le titre de l'œuvre? À ma queue leu leu.